Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Mais nous pas perdre temps. N'a commencé. Cool yeah. Pour nous faire respecter les règles sur l'affichage des prix du paiement en goudes et la part des marges bénéficiaires, gouvernement li prend un décret en date du 25 novembre 2020 que nous gagnons copia dans main nous et qui publié dans journal officiel Moniteur numéro 41 lundi 30 novembre 2020. Décret ça, li vise l'obligation pour yo afficher tout produit bien ak servis yo en good et yo doit visible, compréhensible et prix qui affiché yo doit prix que lè wal nan kès wal payé et c'est lui même que ou payé. Parce que gen pile consommateur qui paraît non centre d'achat, non centre de vente, non supermarché et puis ou est produit a li gagnen yon étiquette li affiché non montant et leur rivé sous caisse là son l'autre montant yo faut payer. Nous dit texte de loi ça li résoud question ça. Nous capable dit décret ça c'est un corpus qui composé 12 articles et il gen 5 sections là-dedans. Li visé marge bénéficiaire yo sous produit de grande consommation yo. L'en parler de produits de grande consommation, nous connaissons, c'est du riz, maïs moulu, hareng, œufs, l'huile comestible, sucre, poun, dit l'autre, bien de grande consommation, nous capables de prendre matériaux de construction, yo, ciment, fer, etc. pour nous citer ça seulement. Et section 4 là, li vise les sanctions. Les sanctions à travers 3 articles. Article 8 à 10. Et nous capables de dire tout travail qui te qu'on a fait yo et gen pile plein qui fait pas gen vraiment yon outil légal nous renforcer ça que te gen yo mais nous te manqué jodi a n'a gardé texte et tout consommateur d'une façon ou d'une autre qui victime quelconque, eh bien, yo gagne pour devoir porter plainte dans le ministère commerce. Consulté et puis médicaments de bon moins, nous devons dépenser plus que 1000 dollars. Surtout taxi, 20 dollars, livre et tout. Je vous dis là, vous pouvez faire ça vous là. Bon, gratuitement. C'est pour beaucoup. Bénéficiaire pas de manquer mais pour qualifier qualité service sur Dieu je ne pas dans clinique mobile ça n'en veut pas de paix. Ma vie comme bon d'aller à l'hôpital je ne joue pas je ne gratis là me venir parce que si vite la malade non même on est à l'hôpital on est capable de jeter médicament c'est là j'ai pour me dégager de jeter médicament je fais grand je fais bail peuple là médicament je consulte le peuple là pendant 2 jours lundi à mardi 8 décembre 2020 responsable de FACMAIO mobilisé une bonne quantité de personnel santé et technique pour réaliser le travail ça. Chirurgien, orthopédiste, ophtalmologue, pédiatre, chaque monde a une possibilité pour jouer un service selon CAIO. Après chaque consultation, bénéficiaire recevra médicaments gratis.
Agabus Joseph, c'est directeur général de FATMA. Si nous avons une autre maladie que nous n'avons pas traité dans la clinique mobile, là, nous avons préféré dans l'hôpital qui est près. Nous avons l'hôpital l'État Immaculé qui est tout près ici, qui a continué à prendre service là, avec un rapport médical et note de référence médecin. Et il y a l'hôpital Canala près tout, son hôpital missionnaire, côté que le cas continue à le prendre service. Activité ça a réalisé sous le patronage première dame du clan Martine Louise. C'est une démarche qui prouvait à clair l'effort qu'a fait pour faciliter tout le monde accompagnement à travers tout le pays. Selon le ministre des Affaires sociales, à travail là, Nicole Olette Altidor. Aujourd'hui, nous continuons avec pèlerinage là. Aujourd'hui, nous retrouvons nos ports de paix, dans notre pôle nord-ouest là. Nous venons accompagner encore le directeur général au FATMA. C'est pour encore une fois témoigner l'intérêt que le président de la République là, que madame président, madame Martine Moïse, donc lui-même lui gagne, lui accorde à couche qui plus faible dans le pays, à monde qui a plus de problèmes, plus de besoins, en particulier maman, yo, puisque madame non son femme, moi-même moi son femme, et timine tout. Après consultation, yo, chaque bénéficiaire recevoit un soulier avec une valise qui des cahiers, crayon à plume. Positionnons sous situation difficile, lamentable, que la population haïtienne a fait face. Et spécialement, les gens qui ont kidnappé, les gens qui sont en bas, kidnappé, nous partageons sympathie, nous, douleur, nous, souffrance nous avec eux. Parce que, tant qu'on nous dit, ce n'est pas ça nous devons offrir. Ni dirigeants politiques, ni les gens qui ont le pouvoir, certainement ce n'est pas ça que nous devons accepter qu'à priver compatriotes nous. Matin, objectif conférence, là, c'est pour me lancer un vibrant appel. By moun qui dit, yon choisi métier ou bien profession, fait instabilité en dans pays. Ya. Parce que yon vini yon métier, yon vini yon profession, yon nèg qui gen licence la dan, yon nèg qui prend diplôme. Et genèr actuellement cap doctoratisé la donne, cap fait doctorat dans instabilité. Parce que l'on sorti de 1995 pour arriver à 2020, nèg qui t'a fait doctorat et fini. Nous pensons, je dis à bon côté, nous arriver pour nous prendre conscience, pour nous dire pays n'a pas capable encore. Citoyens ou concitoyens, pas capable encore. Messieurs, dames politiques, population dit qu'il n'est pas capable encore. Hier soir, il était aux environs 5h, pas dans 6h, pas pour presse blanche, pays à blanche. Nous avons peur, nous sommes en train de caille, nous avons fermé les portes. Nous avons l'impression même que nous avons des lumières, nous avons des lumières, tellement nous avons peur. Tellement leader politique, nous avons fait politique, nous avons fait pays à peur. Fait pays à tout nos savants, fait pays à tout nos l'enfer, n'est pas normal, ni inacceptable. Entendez, classe politique là, dit encore, yo déterminé pour que le président Jovenel parti 7 février 2021. Même André Michel qu'on s'est menti, il connaît le dit, je venais pas parler. André Michel qu'on n'est pas vrai. Chile lui donc qu'on est menti. Yuri la tortille qu'on est menti. Dans toute rencontre, je fais qu'on est. Il pas d'accord, il pas vrai, je venais aller. Parce que, n'est pas d'accord seulement pour payer à la stabilité politique. Parce que depuis la stabilité politique, bon paquet de nègres là, ils vont tomber en chômage. Et la bataille politique qui là, c'est une factory, c'est une source de revenus, c'est une source d'emploi. Que messieurs, dames qui ont fait politique, ils ont fait le tourner. Ça, je comprends. Tout dernièrement, nous avons fait une conférence pour nous démontrer que le pays
ça qui a passé en dans la Cour supérieure des comptes. Il y a deux noms qui ont été cités, qui ont fait des compositions avec eux, qui ont pris une décision pour permettre Dimitri Vob de gagner un document en main pour montrer ses persécutions. Tout le monde, je dis, avocat de l'État, vivait. Je une composition de dire c'est lui affiché devant eux. Ils ont requisé actuellement dossier à la Cour de cassation. Ça veut dire que ce n'est pas voyé, mais c'est voyé monter. Encore, je dis, kidnapping, c'est nègre qui dans cette politique qui besoin de renverser Jovenel pour faire transition, qui met le kidnapping dans le pays. Il faut que vous campez dans le kidnapping. Il faut que vous admettre. Que moyen ça, son moyen qui punit la population, hein? C'est un moyen qui a conséquence sur l'entreprise BIA, c'est un moyen qui a effet négatif sur tout avenir population, hein? Nous pas qu'à utiliser ZAM ça contre le pouvoir, parce que c'est pas pouvoir qui cible, c'est vrai, et le pouvoir a besoin de gagner, mais premier monde qui cible, je parle avec nous, monsieur. Qui dans le secteur démocratique là. Je parle avec nous, messieurs, nous-mêmes qui avons un bureau, qui avons un Solino. Je parle à nous qui avons un bureau Delma 30. Je parle à nous qui connaît, qui avons des rencontres qui ont fait. Ils ont dit faut que vous mettez le pays à tête en bas, by Jovenel. Ce n'est pas Jovenel qui a mis la tête en bas, mais c'est le pays. Nous avons venu, messieurs, dames, il y a fait transition. En 2004, là, il y a tant de fonds en transition. Transition n'est pas assez vie pays. Mais résolution. Mais pour histoire, pour la vérité. Nous avons un pays retourné à chercher résolution 31 décembre. Côté négocié dit, depuis nous jeter Jean-Bertrand Aristide. Ça, c'est la résolution 31 décembre 2003. Et dans la résolution, ça, messieurs, dames, il y a des hommes et des femmes qui te bourrés de compétences, qui te bourrés de maturité politique, qui te bourrés d'expérience politique. L'opin on est un coup Gérard Pierre Charles, regretté de mémoire. L'opin est un coup Sauveil Pierre Etienne, ou prenez un coup Evans Paul, ou prenez Guy Bédé Ronsley, ou prenez tout ceci, tout cela, c'est l'autre bord, qui te signé la résolution, ça. Ou prend Era, Enolbito, ou prend tout le monde, hein? Jean Charles Faustin, ou prend Anthony Barbier, qui toujours a Barbier pour diable, ou prend tout bloc le congrès, ça veut dire le. Là, ça c'était convergence démocratique. Toute classe politique là, t'es en train de d'accord. Moi, je vais vous montrer tout ensemble, t'es d'accord. Ouais, c'était les organisations de la société civile. Ouais. Tout le monde qui a parlé là, qui dit depuis Jovenel, les pays après le la paix. C'est ça, ils ont dit. Ils ont dit depuis Aristide tombé. Regardez, nous prenons le faire l'enmer sous tête de l'hôpital. Nous avons retiré l'enmer côté lié. Nous avons retiré l'hôpital côté lié. Nous prenons le mettre en place l'enmer. Nous prenons le faire cité soleil tourné, Brooklyn de New York. Nous pourrons le faire pour prestouner le Paris d'Haïti. Nous pourrons le faire conférence nationale souveraine. Depuis nous tous ensemble, nous d'accord, nous jeter à Aristide. Chose dit, meni, yo tout ensemble, meni. Là, nous gagnons l'ensemble des organisations de la société civile. Résolution est écrite, meni. Vous ne pas dire c'est moi qui t'ai écrit, t'es fait. Pour au prince, le 31 décembre 2003, par la plateforme démocratique des organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Je dis, je n'ai pas dit organisation, je n'ai pas dit plateforme politique de l'opposition, je viens avec ça, le secteur démocratique. En notre appellation, mais même mon même élément, avec cette différence, n'est que ça, tu as plus de structure politique, tu as plus de compétences, tu as plus de capacité politique. Parce que là, on est un coup, Gérard Pierre Charles. Vous répétez de mémoire, là on est un coup et Saint-Jean Louis Victor Benoît, parce que je dis de Victor Benoît dans toute radio tout. Il est de Rosseret, là on prend Paul Denis, je dis de faire force, mais Paul Denis, tenant pouvoir, l'ici et ça avant transition,
l'aile pas sénateur, yo vinn faire le ministre de la justice. Li écrit toute bagaille sur Aristide, l'aile ministre, il va mettre un mandat contre nèg qui était dans corruption. Derrière nèg qui était dans corruption. Ça veut dire à nous garder là pour nous pour moun yo wè, ça c'est yo qui écrit. OK? Yo fin écrit et puis ouais coalition des partis politiques non alignés, coalition convergence démocratique. Ou sortir dans la convergence démocratique ou entrer dans sa relais opération résolution 15 décembre. Mais résolution 15 décembre. Mais toutes les trois, tout en conseil. Chaque semaine, pour bloquer le pays, pour renverser. Il n'y a pas jamais mettre tête ensemble pour voir un candidat pour prendre le pouvoir. Ça passe, il connaît, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de maturité pour faire politique là. Anyway, nous sommes signatures. Nous sommes noyaux. Ouais. M'a vu là ou encore. Ouais. Ouais. Mais yo. Mais j'étais président déjà. Yo monté président. Kounya là, son nèg yo cherche l'autre bagaille yo fait. Gen business ou fait aussi. S'il pas rapporté ou font l'autre bagaille. Ou remettre kaoulé là ou font l'autre bagaille. Ou bien les syndicats d'enseignants. José Mérilien était toujours là, en tête, avec nous. Les associations, médias, haïtiens et journalistes. Nous tous, nous avons l'âge pour ça. Mais ils ont tout là. Patron médias et les journalistes. Vous voyez, j'ai été fait là. Pas même seulement les patrons médias, non. Patron médias et les journalistes. Vous ne pouvez pas dire c'est moi qui ai inventé. Vous voyez? Patron médias et les journalistes. Parce que yo jeté document yo ou bien le serré pour moun pour population pas faire face carré avec yo. Ouais. Les organisations des femmes, toutes femmes dans pays a été dedans. Les organisations les organisations des femmes, les syndicats des travailleurs code vie, code là, code bon, que c'est toutes ensemble. Les organisations paysans, toutes. Tout est regroupé. Les organisations populaires de base, les ghettos, quartiers populaires. Mais les pays pas pouvoir, les fins pas pouvoir, il faut tout dehors. Parce que même pas là, pas trouver pour nous. Les organisations socio-professionnelles, tout est là. Les organisations, les vaudouisants. Nous tous ensemble, nous y remettons ensemble pour nous bâtir résolution ça, pour nous renverser Aristide. Aristide d'aller nous pas arriver dans l'application. Au contraire, nous prenons toute énergie ça pour nous bailler au groupe nègre 20 ans franchise. Et puis nous pas bailler pas bailler aucun rapport, yo déchet pied pays par ci et par là. Laisse ça ça te dit. Yo te dit même nèg Cabrini avec Jean-Bertrand Aristide là, on va regarder mais ça te dit. OK? Nous te dit. Bon? C'est pour l'histoire, pour la vérité, pour nous voir qui ça n'est que dit. Je te dis, mettez en place le conseil d'État, mettez en place le conseil électoral sans force côté, sérieux, etc. Il y a monté un gouvernement pour aller gagner pour travailler avec tous les secteurs, sans distinction. Il y a une mission. Mission, nous voilà la mission que le gouvernement ça a été gagné, gouvernement transition a été gagné comme mission. Garantir la sécurité de la population haïtienne. Qui ça nous te joigne après départ ça? Comme sécurité qui te garantie, c'est opération Bagdad. C'est à partir de là, opération Bagdad prend naissance sous Platon Belay, journaliste mouri, professeur mouri, police mouri, marché brûlé. Pendant que je te dis, je prends le garantie. Je te dis, je prends le mettre en place. Engager à faire libérer immédiatement tous les prisonniers politiques injustement emprisonnés injustement. Élaborer et mettre en exécution un plan d'urgence de relancement économique, d'améliorer les conditions de vie de la population et d'intégration des jeunes. Nous avons montré nous qui jeunes que nous prenons pouvoir alors que nous avons utilisé tout le jeune dans le jeta Aristide.
Si vous êtes quitté ici, vous faites un mandat, nous ne pouvons pas colloquer une occupation. Vous dites nous, dans petit E, petit D, engagé à former une commission sur la réorganisation des forces publiques. Des forces publiques, l'armée, la police. Est-ce qu'elle a l'armée? Est-ce qu'elle a opposition, une transition après 2004 qui a organisé la police avec l'armée? Non. Vous dites nous, procède à l'établissement d'une commission de vérité sur les cas de disparition. Ça veut dire, pas première fois que sur disparition, enlèvement, séquestration, kidnapping, non. En 2004, nous avons eu comme ZAM, nous faisons. Nous disons, mettez sous pied une commission qui pour faire lumière sur question, sur, commission de vérité sur les cas de disparition, d'enlèvement, de vol, viol, assassinat. Et exécution sommaire, détournement des fonds des coopératives pour les réparations civiles et de droit. Met en place un conseil électoral provisoire formé de comme prévu dans les paragraphes 9, alinéa 9, avec les modifications suggérées dans le document. Engager et fournir les supports nécessaires pour renforcer les institutions des partis politiques, institutions de la société civile, incluant les organisations de base qui ça a été fait avec nous, menti. Goumé, je dis nous prenons le goumé, nécessaire forcément, pour nous goumé, pour ne pas j'aime le régime, donc le régime Lavalas Aristide. C'est pour nous goumer, pour ne pas j'aime bon monde qui sortit dans le système Lavalas, rivaux au pouvoir, et puis ils tout signé avec nous. Mais il y a tout signé là. La résolution. Voilà que je dis à, je viens de dire, monsieur, il y a une première résolution, il y a une deuxième résolution. Ça te permet toute résolution, ça au fait. C'était par rapport avec mais véritable bataille qui était faite, tout le monde levé campé contre Aristide. Mais l'ismoun qui n'est pas te mette dans le budget pour te assassiner. Ou est-ce que papier ça? Un petit papier là longtemps. Mais je ne connais pas là. Ou est-ce ça? C'est des crimes. Mais crime la valation. Et je dis à de la valation engagée dans toute radio. Et comme si les yotés là, Haïti était Paris. C'est sous Aristide. Nous connaissons l'armée rouge. Et l'armée rouge la pral décentralisé dans tout le pays. Dans la bataille, voyez Haïti monter. Dans voyez les âmes rentrer dans le container, dans le balpépé, dans la radio, dans le caoutchouc machine. C'est ça qui fait payer à venir toutes les âmes qui ont gagné. Et les âmes qui ont été entrées, même les gens qui ont assassiné avec eux. Même les gens qui ont assassiné avec eux, qui fait payer à te révolter contre Jean-Bertrand Aristide. Ok? Ça veut dire, pour nous autres, nous croyons aujourd'hui. Monsieur et dames qui ont fait politique, faites pour vous comprendre que politique là, manœuvre, moyen ça, pas de résultat. On nous cherche un autre moyen pour permettre la paix, stabilité tournée. Président Jovenel, rentrer dans le pouvoir 7 février 2017, nous tous connaissons. 7 février 2017, 7 février 2021, il y a 4 ans. 7 février 2007, 7 février 2022, fait 5 ans. 2021, c'est une année processus électoral. En nous tous, nous cherchons une entente, en nous tous cherchons un moyen pour nous permettre, choisir un candidat, en aller, en nous permettre. Nous créons une situation de climat, de paix, pour nous comment nous avons un pays dans une stabilité. Depuis nous pas partisans qui ont kidnappé, depuis nous pas sympathie, nous pas fait nos sympathies avec les gens qui ont fait violence, messieurs, dames, politiques, nous disons, un an, pas qu'à détruire Paris. On nous fait façon pour nous permettre que la paix, pour nous permettre. Question séquestration, question kidnapping. Les maintenant des dames qui ont montré comment ils boulent les pieds, comment ils mettent 10 feux dans les cheveux, comment ils mettent 10 feux sous lit. Nous pensons que ça a fait pour révolter nous. Ou pas qu'à dire opposition, ou depuis Jovenel Allé, kidnapping n'a fini. Eh bien, ça veut dire c'est où qui a fait kidnapping non. Si on dit depuis Jovenel Allé, kidnapping fini. Ça veut dire quelque part, kidnapping non joue un rôle pour un nègre qui a servi à kidnapping non pour renverser Jovenel.
ça que moi me penser c'est ta une très mauvaise politique et c'est pour ça qu'au matin nous venons lancer vibrant appel ça pour demander messieurs dames politiques en nous boucher robinet violence là pour nous prendre route chemin dialogue pour nous permettre la paix et stabilité tourner pour compatriotes nous frères nous qui à l'étranger investir ces besoins dans le pays capable venir pour créer richesse pour que situation droit moun yo en Haïti vraiment compliquée et défenseur plus dans lancement ces jours activistes il était sorti un rapport côté il était présenté situation famille en général et dans rapport ça nous était vraiment bail un bilan qui était négatif et nombre de femmes que nous était accompagné pendant année 2020 collectif défenseur plus t'est arrivé accompagner 200 femmes dispersées dans pays hein? Et majorité femmes ça ont été trouvées dans le département du centre avec dans Port-au-Prince et également défenseur plus dérivé et enregistré plusieurs cas de viol d'harcèlement que nous te bail soutien nous en dans défenseur plus nous gagne deux services nous gagne service d'assistance psychologique avec un service assistance juridique collectif défenseur plus pendant année ça t'a fait tout le nécessaire pour être capable présent pour femmes qui victimes violence comme nous tout connaît que droit et défenseur droit moun yo c'est citoyen haïtien que droit yo a violé chaque jour dans société a ça pose problème et li important tout pour nous mettre un accent sur travail yo puisque nous connaît que y a fait un travail qui vraiment difficile surtout dans contexte politique contexte insécurité que nous vivons là l'important tout pour nous faire couper sur travail yo sur difficulté sur obstacle rencontré et garder perspective d'avenir alors c'est tout ça que journée 9 décembre gagné pour défenseur plus et défenseur plus ça rappeler que 9 décembre pas seulement journée internationale défenseur droit moun mais 9 décembre c'est journée internationale corruption tout. Collectif défenseur plus nous vraiment ciblé toute population c'est ça que fait nous travaillons sur plusieurs canaux nous fait des notes de presse nous fait des affiches de sensibilisation sur les réseaux sociaux nous aller dans l'école autour nous fait des séances de formation pour timoun yo et nous travaillons avec organisation communautaire yo organisation de base organisation féminine qui trouvent dans des communes dans des sections communales qui hors de Port-au-Prince. Nous terminons ces jours activistes là, mais ça va veut dire que le travail, nous souvenons ce qu'a fait sous forme fini. Au contraire, le travail a fait commencer. Nous plus ou moins, bon sentiment, parce que de nos jours, nous avons plus ou moins décidé pour des plaintes. Nous avons sentiment que le travail a fait, même si c'est petit, on joue quand même, nous pensons que son violence sous forme n'a pas dans la société. Alors, collectif défenseur plus dans la recommandation dans le rapport, il a invité l'État à prendre responsabilité pour permettre que l'impunité cabale, on nous fait des violences dans le pays. Lip joue une peine que ça méritait et que éviter population pour capable réclamer droit demander l'état garantie droit fondamental et puis pour famille sortir dans silence là témoin ou témoin aux actes violence dénoncer parce que c'est silence qui a kembé phénomène automatiquement nous décider parler nous exiger l'état prendre responsabilité nous prenons un petit temps qui tout coûte n'a vécu dans société sans violence sous forme nous ouais et comment phénomène kidnapping avec insécurité valé des de population nous-mêmes comme défenseurs des droits humains, nous avons demandé avec l'autorité qui est dans la chaîne pénale là, pour assumer responsabilité. Parce que c'est la première que je dis là, nous n'avons pas de monde qui est panier, même nous-mêmes qui journalistes, médecins, avocats, pas de monde qui est panier dans le pays là. Et ça fait que nous-mêmes nous lançons un travail directement. Bon, c'est sûr que fait mois et semaine là, nous avons un rapport qui a mis dehors, ça a un rapport avec. Et phénomène insécurité parce que l'homme garde bien pour pas des zones dans le pays là où il est capable en sécurité nous te comprenons t'es toujours que bandit c'est vrai mais je dis à la genre situation à développer plus compliqué parce que ouais toute zone où est dans le pays là aussi blé ouais pas gain monde directement dans le pays là qui est pas nivré parce que l'homme garde bien pour ouais ok bandit a kidnappé monde. Et après, dans la radio, il dit oui, c'est un meilleur tel mounier. Ou est-ce qu'il n'a pas de jouer de la vie de tourner? On marchandise, on pas été chaud. Parce que nous, on est au lieu pour qu'on soit des améliorations. Nous, la situation est plus compliquée dans le pays. Mais nous-mêmes, comme organisation qui défend le droit, nous disons tout le monde doit circuler comme ça doit. Mais nous, les gens qui sont venus dans le pays, là, nous, les gens qui sont plus compliqués. Nous avons demandé avec l'autorité encore à nous battre directement pour nous capables. Défendre droit population parce que situation est vraiment exagérée dans le pays parce que nous pas qu'à accepter ça comme ça dans le pays. C'est recevoir une invitation de comité consultatif là sur question constitution. Nous te répondons favorablement parce que nous pensons que jeudi à constitution 27 là il fait unanimité que faut qu'il touche
nous venons là, nous avons des problèmes qui existent au niveau 3 pouvoirs de l'État. Il y a un pouvoir parlementaire, un pouvoir législatif qui est censé et a toujours fait une interférence. Il y a trop de pouvoir dans l'exercice fonction. Il y a un pouvoir judiciaire censé à la ramasse, pas vraiment équilibré, un pouvoir exécutif et dans la réalité qui pose des problèmes tout dans le fonctionnement. Et rapport l'État avec collectivité, on me dit pouvoir exécutif, trois pouvoirs, il y a assez problématique pour nous. Ça peut nous venir là pour nous répondre à l'invitation et faire des propositions sous texte là. Mais d'entrée de jeu, nous disons ça à Mamio que nous-mêmes, au niveau FENAM, nous préoccupons par contexte là, par conjoncture là. Et travail sur la constitution, c'est il y a des moments pour faire, il y a des éléments, il y a des préoccupations pour faire. Par exemple, nous parlons à Mamio, qui était aussi pas très bien, pour nous dire que gagner une obligation pour gagner un consensus national, pour gagner un accord qui fait, un accord avant que le projet ça t'a proposé à la communauté, à la République. Parce que nous ne pouvons pas souhaiter que la constitution et gouvernement, voie exécutive là, y a vraiment rien, qui est important aujourd'hui, mais vient créer une autre source de conflit d'instabilité. Parce que toutes les démarches supposées inscrites dans une dynamique de combattre l'instabilité pour nous, gagner stabilité dans le pays, pour attirer investissement, pour tout le monde qui fonctionne normalement, pour combattre la sécurité, tout ça. Mais si la conjoncture là pas prêté à ça, peu importe et niveau respectabilité et honorabilité, mon mieux que nous tous connaissons qui passe de présentation dans le pays, mais il faut que acteurs politiques, société civile, mais jeunes y ont entente sur ça pour travailler ça par un travail en plus. Nous sommes députés de l'État de Dieu qui font travail au niveau comme président amendement, soit amendement constitutionnel dans le Parlement. Tu as un travail, Claude Moïse t'a fait, tu as un travail, le président Préval t'a fait avec des commissions qu'elle t'a créées. Mais constitution pour moyenne, c'est un consensus national et c'est là nous inscrit dès le départ exposé nous nécessité pour un consensus national pour gagner un accord entre tous les partis pour assurer que démarche là lui contribuer à la stabilité dans le pays et pas effondrer davantage le pays à l'instabilité. Vous dites finalement préoccupé par la conjoncture, lui approprié ou bien pas approprié, c'est ça? Bon, il faut gagner un accord politique, il faut gagner un contrat et il faut gagner un consensus. Consensus parce que les acteurs politiques sont indispensables dans le charte. Ou d'accord? Et ça fait les techniciens à faire travailler ça. Nous-mêmes, nous répondons, nous déposons des propositions par nous pour nous dire lorsque l'accord politique, la constitution a fini de dégager, mais ça a fini d'entendre et qui a de fait pour collectivité, pour rapport redéfini entre le pouvoir local et le pouvoir de l'État. Pour effectivement, par exemple, sous question, tout le monde aujourd'hui a reconnaître que forcément un maire, ce n'est pas trois maires, forcément un maire, tout le monde connaît aujourd'hui un rapport en député, un magistrat, il faut le repenser, rapport en sénateur, un magistrat, il faut le repenser, rapport ça, il faut le repenser dans la constitution. Et voilà, mais attention, nous disons encore, nous répétons, il faut un accord politique, il faut un consensus national. Pour que Mounsaïo qui a sacrifié aujourd'hui dans le comité pour produire un travail qui est acceptable, eh bien, travaille à un terrain fertile pour l'hypothèse fuite, parce que sans consensus national, ça a encore une fois et renforcé la stabilité dans le pays. Date pour grève la levée, il n'est pas dépend de nous. Et là, en parlant de nous, on va parler de entité qui en grève là, parce que l'objectif grève là, c'était faire revendication passer pendant la réclamer meilleures conditions de travail et meilleures conditions de considération pour les employés. Et plus particulièrement, les gens qui travaillent dans personnel paquet, qui forment le personnel paquet. Là, nous prenons sécurité, nous prenons commis, nous prenons ménagère et nous prenons secrétaire. Donc, Mounsaïo, il a demandé pour l'État, lundi l'État et le ministère des tutelles, qui est le ministère de la Justice, qui pour ta et bayo traitement mérité. Donc, il considère comme des principales victimes. Pourquoi? Parce que il y a un traitement des poids des mesures qui a fait dans le système.
Donc, en d'un propre justice, là, les nous dit au niveau administratif que employé yo victime. Yo victime pour qui ça? Parce que gen des considérations qui n'ont pas gen pour yo. Gen question la disparité sociale là qui est implantée au sein du ministère de justice. On pourrait que tout employé ministère qui est affecté dans le paquet yo, yo maltraité. Donc, gen des bagailles qui revenu au droit, yo pas ka joine yo. Tant que les avantages sociaux, tant que si nous prenons 4 débits, nous prenons bon d'achat, nous prenons subvention pour citer ça seulement. Donc depuis ou pas dans l'administration centrale, c'est comme si ou pas éligible pour gagner. Et cependant que la loi n'est pas gagner effet rétroactif, donc la loi n'a pas grand portée discriminatif aussi. Donc c'est tout le monde depuis ou fait partie du système, nan, la loi et dans l'État et attribué au bagage avant, c'est automatiquement revenu de droit pour bénéficier. Donc, pour le moment qu'il n'a pas parlé là, grève là a continué jusqu'à ce que le ministère dit un bagage à l'égard de employé et aussi avec substitut commissaire. Pas bien que, en fait, l'initiative là, c'est les substituts commissaires qui font, ce n'est pas le commissaire principal, non. Il faut que nous précisions ça, que c'est substituts commissaires qui estiment, en fait, le traitement, ta doit gagner, considération, ta doit gagner dans l'État, yo pas jeune, ça crée de droit, yo pas jeune, yo revendiqué. Donc, nous-mêmes, nous voulons que c'est juste, et nous appuyer et décision, et puis nous profiter du même coup pour nous et exposer ça nous gagne comme doléance. Donc pas oublier que le syndicat national des employés paquet d'Haïti, il est là pour défendre le droit de tout employé, que ce soit à quel que soit niveau que vous travaillez dans le système. Nan. Donc nous là, et pour nous défendre ça qui revient des droits. Donc nous appuyer en décision. Et pour nous tout profiter, faire message et la passer au profit de personnel au profit des employés qui gagnent tout le temps. Et m'a dit que nous gagnons des commis qui nommés qui dans par exemple un paquet à quai qui gagnent 14 à 13 à 14 mois pour que j'aime qu'à toucher. Et pas seulement commis gagnent et sécurité aussi qui nous révélé dans paquet et quoi des bouquets qui gagne presque un an là pour que j'en touche. Problème non, il existait aussi, Jacques Mel. Donc c'est toute une série de problèmes qui gagnent dans le système que nous t'arrêtons que le ministre en particulier prend en considération doléance et puis pour travailler sur lui. Je dis à l'important pour nous parler de période amérindienne. Nan. C'était une conférence, une série de conférences que la Bibliothèque nationale montée. Et le, moi-même, je dis en tant que Ungan et responsable du Bureau national d'ethnologie, nous avons parlé sous présence amérindienne dans le vaudou haïtien. Et nous, c'est un sujet qui est important. Si on parle de question d'identité, si on parle sur la question de la mémoire, pour nous reconstruire, restituer et faire rappel du voir de mémoire, il faut que nous parlions de eux. Qui déjà parce qu'en pile haïtien, en pile monde doit souvent comprendre que Haïti son peuple qui c'est juste descendant africain lié ou son l'autre bagaille, mais il faut que nous connaissions racine nous. Et c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui, le sujet a été sous présence amérindienne. Nan, nous, râler histoire là depuis sous présence Christophe Colomb en 1492, là, qui était venu tourmenter pays d'Haïti, qui était tourmenté existence Haïti, qui ce qu'il y a beau, qui signifie terre de haute montagne ou terre de haute connaissance, eh ben, nous parler de eux-mêmes, qui genre amérindien ça y est, avant l'arrivée de Christophe Colomb, qui t'a vivre normalement dans paysage culturel, qui était eux-mêmes, qui était extraordinaire, avec toute sa guerrière, avec toute richesse. Et puis, en 1492, on 5 décembre, comme ça, existentiel, vine compliqué. Ça veut dire que la colonisation européenne a continué, cette fois-ci, française, sous partie occidentale, l'île d'Haïti, qui était venue de Saint-Domingue. Et bien, c'est partie ça qui vient des Français, qui était venu avec des captifs africains, fois-ci ça, qui était venu faire esclaves pour eux. Et ils étaient venus pendant des décennies. Eh bien, esclaves noirs, esclaves africains, africains, ils étaient mélangés, ils étaient contrés avec Amérindiens, de manière. Parce que tout
tout pas mourir. Ils étaient contrés dans le marronnage, ils étaient contrés sous route, ils étaient contrés dans la nuit. Ils étaient font passation de connaissances. Ils étaient partagés connaissances. Tant qu'au niveau manger, tant qu'au niveau territorial, surtout au niveau bataille, au niveau connaissances médicales, ils étaient partagés ça au gain ensemble. Et toute richesse ça, ils ont tombé dans les Africains. Africains qui pral venir par le c'est comme ça vaudou haïtien pral créer avec toute croyance ça surtout croyance amérindienne tout à travers des accessoires à travers des artefacts ça les pieds loi pieds après colombienne yo que nous joignent aux assiette pieds que nous joignent dans un foyer dans caï loi yo dans caï mystère dans badjio et c'est tout ça yo qui pral servir couleur pral quitter pour nous manger cassave et roucou Mallorca là qui j'ai pral faire tout ça yo. C'est des richesses matérielles ou immatérielles que Amérindiens pour quitter pour Africains qui peuvent mélanger, qui peuvent tomber en dans vos doigts. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable jouer nous sans pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.